Captain Bonhomme. Captain Bonhomme. Captain Bonhomme. Part en voyage, Captain Bonhomme. Vers d'autres rivages, Captain Bonhomme. Ils sont les voiles. Partons joyeux car la mer est belle en sifflotant notre ritournelle. Ohé, ohé, laissons-nous conduire et vogue le navire. Captain Bonhomme, Captain Bonhomme, Captain Bonhomme. En Amérique, Captain Bonhomme. Ou bien en Afrique, Captain Bonhomme. Livre à bataille. Au lion, au tigre, aux ours, aux gorilles, soyez sans crainte les gazelles, les filles. Il a un jour délivré Calvin Jonas dans la baleine. Captain Bonhomme, Captain Bonhomme, Captain Bonhomme. Je vous assure, Captain Bonhomme, peut nous raconter, Captain Bonhomme, mille aventures. Sur son cheval, il court la campagne, franchissant les monts et les montagnes. Quand les étoiles brillent la nuit brune, il saute dans la lune pour faire un rêve étrange, où les enfants chantent avec les anges. Captain Bonhomme a dans la tête plein de chansons et de jours de fête. Captain Bonhomme, Captain Bonhomme. Captain Bonhomme, Captain Bonhomme, Captain Bonhomme. Si un jour je partais en voyage, je commencerais par la vieille capitale. Au Parlement, j'irais faire une visite. J'irais saluer le Premier ministre. Monsieur le sage, Monsieur le sage, comment allez-vous, Monsieur le sage? C'est-il vrai que la statue du Plessis est au musée du Louvre à Paris? En quittant le bureau de Le Sage, converti au Parti libéral, j'entrerai dans celui de Daniel, me convertir à l'Union nationale. Monsieur Johnson, Monsieur Johnson, comment allez-vous, Monsieur Johnson? C'est-il vrai que Duplessis courtisait Mlle Charlotte Wheaton en secret? Et en continuant mon grand voyage, je ferai un stop à Montréal pour saluer Monsieur Jean Drapeau. Je descendrai dans le trou du métro. Monsieur Drapeau, Monsieur Drapeau, comment allez-vous, Monsieur Drapeau? Finirez-vous par trouver le tour de faire bâtir sur les lunes tour? Je ne quitterai pas le Canada sans arrêter dans la ville d'Ottawa. Chez Monsieur Pearson, je m'en irai. Cette question, je lui poserai. Monsieur Pearson, Monsieur Pearson, comment allez-vous, Monsieur Pearson? C'est-il vrai que le français que vous savez, c'est Diefenbaker qui vous l'a montré? Et si un jour à l'arrêt au gare de Cuba je rencontrais Castro en train de distribuer des cigares, je m'adresserai à lui en ces mots. Monsieur Castro, Monsieur Castro, comment allez-vous, Monsieur Castro? C'est-il vrai que votre barbe est faite avec les cheveux de Monsieur Khrouchtchev? Toujours en continuant mon voyage, je me rendrai même jusqu'à Moscou. Bien sûr, avec beaucoup de tapage, je leur crierai à m'entendre le coup. Messieurs les Russes, Messieurs les Russes, comment allez-vous, Messieurs les Russes? Cessez donc d'effrayer les personnes avec vos bombes à 100 mégatonnes. Mon voyage ne serait pas complet sans visiter, messieurs les Français,
les folies bergères et tout le patatlan. Sans oublier Monsieur le Président, Monsieur de Gaulle, Monsieur de Gaulle, comment allez-vous, Monsieur de Gaulle? Mon Dieu, comme votre nez est donc gros, vous battez sûrement celui de Cyrano. Je terminerai mon grand voyage à Londres chez Messieurs les Anglais. J'irai faire une visite à la reine, cette invitation je lui ferai. Sa Majesté, comment allez-vous, Sa Majesté? Vous pouvez venir chez nous quand vous voudrez, on s'est gréé d'un beau char blindé.